Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Adventure Capitaliste. Alors, Clicker Heroes c'était bien, mais dans la famille des Idle Games, il y a ce petit bébé, ce petit bijou que je connais depuis assez longtemps, et j'ai décidé de démarrer une vidéo dessus. Il y en aura plus si vous en voulez plus. Enfin bref, je vais vous expliquer, c'est la vie du capitalisme, et on va commencer avec cette petite personne qui nous explique que le capitalisme c'est facile. Clique sur le lemon, hein, le citron, et en fait on va runner, donc lancer une industrie de production de citron. Vous voyez, quand je clique, boum, à chaque citron produit je gagne 1$. Au bout de plusieurs dollars, je peux acheter un autre lemonade stand. Donc j'ai deux lemonade stands. Donc quand je vais acheter, évidemment, je vais gagner 2$ parce qu'il y aura deux fois plus de marchandises. Et ça, c'est génial. Et ensuite, je peux continuer d'acheter des trucs. Alors il y a des centimes, c'est la folie. Et je peux mongoliser en cliquant. Alors vous dites, mais le mec va devoir cliquer comme d'habitude. C'est un cliqueur heroes. Mais non, capitalisme, ma gueule. Capitalisme, ma gueule. Il y a des gens qui vont le faire pour nous à mort. Pour l'instant, on est sur une phase qu'on appelle progressive où on clique comme un mongol pour produire des trucs. On va pouvoir avoir évidemment d'autres industries. Donc là, c'est le newspaper delivery, un service de newspaper. Ça coûte 60$, on va l'acheter. Et bim, quand on balance ça, on appuie et pouf, ça nous a coûté 60$ et instantanément, c'est rentable. Si ce n'est pas beau, la vie, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va continuer, hop, de faire progresser lui. Donc, plus on achète, voilà, il est passé level 25. Speed of Lemonstone Profit for 2. Donc, ça va être encore plus rapide. Donc, on le fait évoluer, 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 on le fait évoluer. Il va y avoir des choses intéressantes. Et les choses intéressantes, ça va être les managers. Donc vous voyez, quand on aura 1000, on pourra avoir Cape Johnson. Le fameux Cape Johnson, vous le connaissez tous. Qui va s'occuper de gérer notre magasin de lemon. Et ça va nous arranger parce que business is business, ce sera la facilité, voilà. Oh, t'en as marre d'appuyer sur un bouton, mais engage un manager pour le faire. Et bim, le manager. Et le manager fait exactement ce dont on a besoin à notre place, en tout cas pour le lemon. On va voir combien coûte le prochain manager, il coûte 15 000. On va acheter le car wash et on s'occupe de faire progresser notre industrie bien tranquillement. Alors évidemment, on fait progresser ça. On n'oublie pas de continuer de faire progresser le lemon, hein, parce que pff, on déconne pas avec le lemon. On ne déconne pas avec le lemon, ça va nous rapporter 1000, ce qui est plutôt la joie de vivre. Merci. Lemon, 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 lemon. Alors, évidemment, ça coûte rien. Maintenant qu'on nettoie des voitures, je veux dire, on est dans le biz. Le profit de lemon est encore plus rapide. Wouah! Profit's like expanding, man. On a plein de pognon. Le pognon, le pognon, le pognon. Continuons, continuons, continuons. Je veux que ça continue de nous rapporter de l'argent. Je vais essayer de le monter déjà level 100. Et il sera... Une fois level 100, on est bien, quand même. On est bien, bah oui, le truc travaille pour nous. Ça va. On va pas non plus se plaindre. On serait malhonnête de se plaindre dans ce genre de situation, je pense. Ça coûte un peu cher maintenant, 80, c'est bien. Ah, mais j'ai envie de continuer. Bref, bref, non, restons concentrés. On continue de cliquer sur les autres trucs. Faut pas oublier de cliquer sur les autres trucs, parce que évidemment, les autres trucs ne sont pas en autoclic. Hein, on n'a pas un manager à la gestion des autres activités. Pour l'instant, c'est une question de temps. Voilà. On a commencé en vendant un citron, je veux dire. On va dominer le monde un jour, c'est un fait. Enfin, de facto, c'est obligatoire. Je peux pas rester dans une situation précaire pendant tant d'années. Voilà, boum, level 100 et Speed of Lemon and Stone Profit x2. Et on voit notre argent monter de manière assez abusive pour notre plus grand plaisir. Alors, manager, 15 000, c'est ça? Eh bien, on peut l'avoir tout de suite. Voilà, Perry Black. Perry Black qui est blanc, hein, c'est logique. On le recrute. Et après on a W.W. Eisenberg, en référence à Eisenberg évidemment. Il y a énormément de vannes partout, Forrest Trump, c'est The Dark Lord, il y a des vannes partout dans ce jeu. La Grim Face évidemment, ah, oh, mon dieu, j'adore ce jeu. Donc voilà, donc ça se fait tout seul et boum, level 25 et on double le profit. Le profit est doublé, on est heureux et on s'occupe de la production d'autres biens. La production d'autres biens parce que c'est bien de produire d'autres biens, on continue quand même pour avoir toujours plus d'argent parce que l'argent c'est la vie, dans le capitalisme en tout cas, hein. Pas sûr d'adorer tant que ça en vrai ces mentalités là, mais le capitalisme fait qu'on est obligé d'être partisan dans un jeu comme celui-ci de ces mentalités franchement intelligentes et franchement patriotiques et profit, le profit bien sûr, l'argent, la monnaie, le pognon, toutes ces choses là qui font rêver la France, qui font... C'est quoi ça? You can stand by... What? Ok. Donc on va pouvoir investir sur la Lune et sur Mars. Alors ça, je ne connaissais pas. Hein. J'y ai joué il y a assez longtemps. Et il va falloir un gros capital. Il faut 1 trillion d'argent. Mais...
Mais moi j'y crois un jour. Moi j'y crois clairement un jour. Alors le prochain manager, on remonte dans la liste des managers. C'est très long. Il coûte 100 000, on peut le recruter. Le prochain est à 500 000, on le recrutera un jour. Mais oui, mon bon monsieur, mais oui. Le profit, toujours le profit. C'est comme ça que ça marche. Alors là, évidemment, voyez notre argent. On dirait mon vrai compte en banque. Là, là, bah oui, bah oui. Bah oui, il ne faut pas mentir, c'est mon vrai compte en banque. Mais oui, je suis millionnaire, milliardaire, trilliardaire. Tout ça, évidemment. Ah, lui, on va le monter level 25, ça va être très très bien comme ça. Allez, monte level 25, monte level 25, pouf. Et voilà, ça augmente la vitesse, et donc le profit indirectement. Et on va devenir riche. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'onglet carrière. Swag. D'accord, le menu swag est un menu d'options. Sexe. Ah mais non, mais si on veut être rentable, il faut qu'on soit une femme. Enfin, je crois. Oh! Quoi? Je découvre hein, quelques trucs. Alors là, je suis en train de scroller. Écoutez ma souris. Et je peux pas aller plus vite. Je peux pas aller plus vite. Bon, là, c'était fini. Donc, on a les stats. On a l'argent de ce qu'on a gagné. On a tout l'argent récolté depuis le début de notre vie. Ce qui fait beaucoup. Et on a les newspapers, évidemment. Alors, ça va pas nous intéresser. Et connect. Ah, c'est pour les suivre sur Facebook. On s'en fout. On s'en fout. Pendant ce temps, notre argent a augmenté. C'était mon but. Là, il y a les upgrades. On ira après. Je veux juste atteindre 500 000. Et à 500 000, on aura notre nouveau manager. Et on sera heureux. Parce que la joie, c'est de ne pas travailler. La joie, c'est d'avoir des gens qui font les choses pour nous. Boum. C'est quoi ça? Pro tip, buy stuff faster with the buy multiplier. Click there. Ah, ici, on a donc le petit outil pour acheter en multiplicateur. On l'a aussi sur Clicker Heroes. Hein. Quelque chose qui va nous permettre d'acheter en x10, en x100 ou en max pour maximiser à chaque fois qu'on fait des achats. Ce qui est pas mal. Ce qui est plutôt pas mal, ma gueule. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, on va monter quoi? On va monter lui, peut-être, level 50. Donc, tout est autogéré. On va... Oh non, on va d'abord acheter notre donut shop. Donut shop, parce que c'est important et parce qu'avoir un manager après sur le donut shop sera hyper, hyper rentable. Dans les upgrades, on a un truc à 250 000 qui fait que le Lemon Stand va faire 3 fois plus de profit. Donc, on va économiser nos 250 000 pour en arriver là, parce que ça m'a l'air d'être un plan plutôt intéressant. On va monter ça level 50 en même temps, au lieu de se concentrer trop sur le truc à donuts. Truc à donuts qui rapporte énormément. Hein. C'est assez monstrueux. Hop, voilà. Level 50, on se remet en foin, comme ça on fait pas n'importe quoi. On achète ça, et maintenant on arrête d'acheter des trucs, et on se débrouille autrement. Lui on peut lui mettre ouais, 17 levels dans la gueule. Donc les upgrades hein, c'était 250 000 c'est ça. Donc là on est à 100 de profit toutes les je crois 0 secondes. Et bah ça va le multiplier par 3. Donc ça va être à 300. Est-ce que 300 c'est exceptionnel? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que je peux attendre 12 secondes et acheter le profit du newspaper qui est à 3000 en x3? Oui, oui, bien sûr. Et donc il est à 9000 maintenant. Il est toujours autogéré. Notre argent continue de monter. Je veux dire, on ne va pas se plaindre. On n'oublie pas quand même de faire de la production de donuts parce qu'on ne déconne pas avec ça. On achète celui-ci en x3 et ce sera 1 million pour le truc de bagnole. Mais on a le temps, ma gueule! On a le temps de patienter et c'est ce qu'on va faire. On va mettre quoi? Allez, 30 levels dans ta gueule, bim, prends ça, et on continue de faire du profit. Voilà, on a 390 par seconde, ce qui est plutôt assez bien. Lui, si on lui met, hop, là, 2 levels, on s'est pris 720 en plus, mais oui, le profit, toujours le profit. Et bien sûr, on va monter celui-ci, level 150, en tout cas, on va essayer, on va continuer de monter un peu tout le monde un peu partout. On n'oublie pas de gérer nos donuts, on va aller regarder combien coûte le manager à donuts, c'est Jim Turton, et il coûte 1 200 000. Bon bah on avait les 200 000 quoi, c'était déjà pas mal. D'ailleurs, il faut pas quitter toujours plus, toujours trop. Non, soyons raisonnables. Soyons raisonnables, on quête ce qu'on peut avoir et on aura ce qu'on peut quêter. Charles Baudelaire. Non, c'est faux. C'est faux, non, n'essayez pas, n'y pensez pas. C'est faux. Pouf, il nous reste un level et lui mettre, voilà, il est 150. Ah, ça a pas fait de multiplicateur de profit, mais on va le laisser level 150 pour l'instant. Je pense que ce soit hyper rentable de le maxer indéfiniment. On va s'occuper du car wash. L'upgrade du car wash coûtera 1 million. Je ne sais pas par quoi on va commencer, entre l'upgrade à 1 million ou Jim Turton à 1 million de motherfuckers. Mais je suis clairement curieux de savoir ce qui va me paraître le plus intelligent. Alors là, en achetant 3 levels là-dedans, on a fait une multiplication de profit assez monstrueuse, ce qui fait qu'on va gagner 362 000 juste avec ce truc-là. Alors ça met un peu de temps, il reste, ouais, ça met environ 20 secondes à se faire, mais ça va. Je veux dire, dans la vie, à pire. Alors si je fais ça, par contre, le profit... Oui, le profit est affecté directement, je pense.
oui, le profit a été affecté directement, donc pendant que ça progresse, on peut se dire « Ah mais moi je vais le faire augmenter, comme ça quand ça va être à la fin, il rapportera encore plus ma gueule, il rapportera des milliards, des millions, des milliardiams. » Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, calmez-vous. Et on est à 600 000, ce qui fait que là maintenant, on le laisse faire, et une fois qu'il aura fini, on aura gagné, on sera presque 1 million, non, quand même pas, on sera à 800 000, 900 000. Oh non, 1 million. Et on va augmenter au 1 million de très très vite. Alors on prend un upgrade ou un manager. On va prendre le manager. On va prendre voilà, le manager qui va gérer ça pour nous. Ce sera beaucoup plus simple à gérer. Et l'argent va continuer d'évoluer, continuer de grandir, continuer de rapporter et continuer de nous permettre d'augmenter nos stats en ayant le carouage qui fera un effet monstrueux parce que bah, il sera en multiplié par 3. Donc au lieu de nous rapporter 18 000, il nous rapportera bien plus. On peut s'occuper du shrimpboat, hein, le bateau à crevettes, mais on va d'abord prendre ça, voilà. Pouf, comme ça, le profit continue d'augmenter, plein de profit, du profit partout. On veut de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Bon, on n'est pas en temps de guerre ici, mais calmez-vous. Calmez-vous. Je ne veux pas vous offenser, vous ne m'offensez pas. On fait un travail comme ça de comme un accord. On se calme, vous vous calmez, je me calme, on est tous calmes, c'est parfait. C'est parfait ainsi, et ce truc-là prend beaucoup plus longtemps, hein, beaucoup beaucoup plus longtemps, mais il va m'apporter 620 000. Donc ça veut dire que je peux me concentrer sur les autres trucs et upgrade les autres trucs pendant que ce truc-là travaille, et dès qu'il a fini, il me rapporte 600 000, comme ça, vas-y, tranquillement, sans aucune pression, et bim, et on peut l'augmenter, et en même temps, d'ailleurs, on va continuer de l'augmenter, parce que c'est ça qui va nous rapporter de l'argent. La prochaine upgrade, elle coûte 5 millions, c'est pour les pizzas. Le prochain manager, il va coûter une fortune, il va coûter voilà 10 millions hein, for a shrimp, c'est évidemment pour les shrimp, les crevettes, mais pour l'instant on n'y est pas, ça met tellement longtemps qu'on a le temps de gérer le truc à peu près, voilà le truc à limonade, on était obligé de cliquer comme un abruti, ça c'est pas le même problème, et regardez, voilà, plus on progresse, plus à la fin du truc ça va juste nous rapporter 1,8 million en acceptant de tout récupérer, alors certes on aura dépensé pas mal, mais je pense que ce sera rentable. Je veux pas abuser, je veux pas survendre, je pense que ce sera rentable. Il y a peu de chances que ça ne le soit pas en tout cas. Bim, allez, 1,7 million, on y est presque, 1,7 million, et bim. Voilà, donc on va gagner 2,4 million comme ça, voilà. Dans 27 secondes, j'ai 2,4 million qui arrivent sur mon compte parce que j'ai vendu 4 crevettes. Eh ouais, c'est la crevette la plus chère du monde, mon gars. Attends, 2,488 million, ça veut dire qu'on est à 622 000 putain de dollars pour une putain de crevette. Vous avez apprécié cette petite division par 4. C'était pour moi, c'était gratuit. J'espère que ça vous a fait plaisir, les amis. Boum, donne-moi mon argent. Juste donne-moi mon argent. Allez, non, non, je... Ah si, j'ai upgradé. J'ai upgradé, il va me donner 3 millions. J'ai upgradé, il va me donner 3 millions. Il y avait 5 crevettes en même temps. Ah bah oui. Ah bah oui. Il y avait 5 crevettes, moi je trouve ça normal. Tu mets 5 crevettes, tu mérites quelque chose qui correspond à 5 crevettes. C'est un fait, les amis. Alors ça rapporte 55 000, hein, le truc de bagnole, enfin de carouage. Mais bientôt ça va rapporter 115 000 en gros, hein, à peu près. Parce que on va faire l'upgrade, hein, donc ça va nous rapporter 115 240, je crois. Ça n'a absolument pas de multiplier ça par 3. Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, non, non, ça c'est les objectifs à faire avec, avec des bonus, etc. Donc level 25, etc. etc. Il y a 626 challenges à faire. Tranquille, tranquille, on a le temps. On a le temps pour y arriver. Et on va lui mettre des levels dans sa petite gueule à lui. Hop. On va lui mettre des levels ici aussi. Et on continue parce qu'il faut quand même se concentrer sur les petites industries. Faire grossir les petites industries. Je dis petites industries, mais bon, elles pèsent quand même un minimum, ces industries. Au moins toutes au level... Enfin, au moins celle-ci au level 25. Pour qu'elle gagne en vitesse et qu'elle soit plus rentable. Voilà. Elle est deux fois plus rapide. C'est deux fois plus de pognon. C'est deux fois plus de profit. Moi, je dis oui. Je dis oui à la vie, bien sûr. Mais bien sûr, mais c'est évident, monsieur. C'est évident. Si j'ai besoin d'argent... Je me débrouille pour avoir de l'argent. Si je n'en ai pas, je me débrouille pour en avoir. Voilà, bon, c'est une stratégie particulière, je vous l'accorde. Level 30, c'est pas du tout toi que j'avais envie de monter. Mais c'est pas grave. Lui, level 50, on se le permet parce que c'est rentable de monter level 50. Lui, il va nous rapporter 3 millions, ma gueule. Et on continue. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui met... Non, on n'a pas besoin de vraiment lui mettre un manager, donc on va... Hop là, on va l'upgrade. C'est ce qui me paraît être le plus rentable pour l'instant. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai fait une erreur? Je ne sais pas. Est-ce que je regrette? Non.
Donc si je ne regrette pas, pas de soucis, pas de regrets, pas de soucis. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie, ça, c'est le bonheur. Ça, c'est l'amour. L'amour du jeu vidéo, l'amour du pognon, l'amour du capitalisme. Et regardez nos donuts. Ces fameux donuts qui nous rapportaient un petit peu d'argent quand même pour l'époque. Mais là, ils sont à un putain de million. Oui, un putain de million. Et quand il sera à 25 de level, au lieu de mettre... Alors, je ne sais pas exactement combien de temps il met à l'heure actuelle. On va voir ça bientôt. Hein. On voit le compteur juste en bas du truc. Pouf, il met 23 secondes. Et ben, il mettra moitié moins de temps quand il sera level 25. Et ça augmentera nos profits. Bah oui, le profit. Le profit va avec le temps de production. C'est le B.A.B.A. du business, ma gueule. C'est le B.A.B.A. Si tu ne fais pas le business comme ça, comment fais-tu le business? Comment? Bim! Et là, ça va être plus rapide, normalement. Je l'espère. Je l'espère. On va regarder. On va regarder. Que nous dit ce truc qui fait que ça va vite? Il nous dit 11 secondes. Il nous dit 11 secondes. Nous, on approuve. Nous, on approuve clairement. On va continuer d'augmenter ça. Comme ça, il va passer la barre des 5 millions, normalement, avant de nous rendre l'argent. Ce qui serait plutôt pas mal. Pouf, 5 598 000. J'ai connu plus pauvre. J'ai connu plus pauvre. J'ai connu des gens qui étaient quand même plus dans le besoin que 5 598 000. Après, je sais pas. Boum. 6 millions. Ah, 6 220 000. Pas mal. Pas mal. On a dit crevette, moi je dis pas mal. Et bim, et on continue. Mais oui, on continue. Mais toujours, on continue. Qu'est-ce qu'on va continuer d'ailleurs? On va continuer de s'occuper de nos trucs à Pizza. Parce que la pizza, c'est la vie. On va regarder où en sont les upgrades. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Le profit sur les donuts à 10 millions. Et encore une fois, on a pour le même prix le manager qui est ici à 10 millions aussi. Il m'intéresse moins parce que voilà, la crevette a un temps de production très faible, très long, pardon. Donc je peux moi investir de ma personne et de mon temps pour gérer ça. Donc je vous propose là, on lâche tout. On se repose, on économise 10 millions. Ouais, 10 millions, c'est rien dans une vie. Hein. Qu'est-ce que c'est, 10 millions? Qu'est-ce que c'est? Dans moins d'une minute, on les a, ces 10 millions. Regardez, on va même se permettre ça. Voilà, on se permet ça. Tranquille, tranquille, mais oui, tranquille. Mais il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress, il y a point S. Oui, il y a point S. Il y a clairement point S, monsieur. Il y a clairement point S, parce que, regardez, ce truc-là va arriver, là, la crevette lande, là, va arriver, il va nous donner 8 millions. Nous, on va faire d'accord. Il va même nous donner plus de 8 millions. Je pense qu'il va nous donner 9 596 000. Pas du tout, 8 709 000. J'ai dit au pif. J'ai dit clairement au pif. Donc, avec ces 8 700 000, il nous manquera, pour avoir ce qu'on veut, 2 300 000. 1 million, pardon, 300 000. Donc, regardez à combien on est. Le 1 300 000, il est atteint vite. Donc, potentiellement, je vais même remettre une upgrade parce que presque au moment, voilà, 9 millions 3, donc il suffit que je sois à 700 000, j'y suis. Donc à la fin, j'aurai 10 millions et je serai heureux. Oui, parce qu'avec 10 millions, on est heureux. Enfin, il y a plus triste. Il y a vraiment, vraiment plus triste dans une vie. Je dis pas, voilà, hein, c'est pas hyper bien. Nous, on veut être à bien plus après. Mais on va pas se plaindre, on va tolérer, voilà. Boum, les petits donuts nous rapportent 3 millions. 3 800 000. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour augmenter le profit des crevettes, ça va nous coûter 25 millions. Est-ce que 25 millions, c'est beaucoup? Telle est la question que je vous pose aujourd'hui, les amis. Et je ne pense pas. Je ne pense pas que 25 millions, ce soit tant que ça. Mais, avant d'acheter ça, je pense que voilà, la team de hockey, elle qui est 14 millions, on peut se dire que c'est intéressant parce que voilà, dès l'achat à 14 millions, elle nous en rapporte 7 464 000. Donc on peut dire que les profits sont présents. Les profits sont clairement présents, les amis. L'argent est réel. L'argent est là. L'argent est présent. Mais, voilà, on a un nouveau truc hyper long. Celui-ci reste encore très très long, celui des crevettes. Hein. Mais on peut se dire... Oh, petit manager. Petit manager. Et les managers, évidemment, c'est ce que le jeu nous explique actuellement, dit et explique que ça va continuer de nous rapporter de l'argent quand on ne sera pas là. Donc si on fait une petite pause comme ça, qu'on part, et ben quand on revient, on aura du pognon. Comme Clicker Heroes, voilà, tu reviens, boum, du pognon sur la table, aucune pression, tu es heureux, tu es parfait, ça te va. Alors le projet du moment, évidemment, c'est de monter les crevettes level 25, vous vous en doutez, et de monter le truc de pizza level 50. On va faire les deux comme ça en même temps. Alors évidemment, je pense que ça ira plus vite de faire le truc à pizza en premier parce que le truc à pizza coûte beaucoup, beaucoup moins cher et assez rapide. Toutes les 5 secondes, il nous rapporte là 600 000. Donc ça va, on n'est pas trop à plaindre là-dessus. Et il ne nous reste plus qu'un level à avoir à 3 400 000. Boum! Et ça va deux fois plus vite, ou du moins le profit est amélioré. Et je crois que que ça a doublé les gains et doublé la vitesse. Donc au final, ça va quadrupler les gains. Je pense, hein, à vérifier. Je ne suis pas un scientifique
de ça. Toi, tiens, allez, prends-toi 71 levels, c'est gratuit, ça me fait plaisir. C'est un petit budget, c'est un petit budget. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est un pourboire. Amuse-toi avec ça. Bon, les amis, on a commencé à créer cette entreprise assez monstrueuse, hein, qui est notre entreprise capitaliste, qui est notre Profiland. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à aimer cette vidéo et la partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Unstable Bleachers. Oh yeah! Allez, bye bye! Attendez, ça veut dire qu'on va faire un épisode 2? Bon, à vous de me le dire. Allez, bye bye! Et le jeu est gratuit sur Steam!